Professeur Chérif Mohamed Chérif Belmehou, bonjour. Bonjour. Alors, le système algérien est-il fondé essentiellement sur la corruption si on se réfère au nombre interminable d'interpellations opérées par la justice depuis quelques jours déjà? Oui, effectivement, on est en droit de se poser cette question parce que d'une part, la corruption est un phénomène international, on l'observe un peu partout dans le monde, mais il est parfois un peu plus prononcé dans certains systèmes économiques. Il est déterminé par deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est celui lié à la perversion morale dans certaines sociétés. Le deuxième, c'est le facteur de la commande publique. Et on a trouvé dans les études de la Banque mondiale et d'autres institutions une corrélation parfaite entre phénomènes de corruption et commande publique. Donc ce sont dans les budgets de l'État, plus le budget de l'État est important, plus la corruption se généralise. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ce phénomène prenne autant d'ampleur et pourquoi on ne l'a jamais dénoncé par le passé? Oui, alors on l'a, le phénomène a toujours existé. Mais le système, au cours des dernières années, il a fonctionné dans cette logique, c'est-à-dire que la légitimité politique était telle qu'on devait financer en quelque sorte certaines, comment dire, nous n'avons pas, le système politique n'avait pas des partisans, mais il avait des clients. Et on a toléré. Ce n'est pas qu'on l'a autorisé, mais on a toléré. Parce que nous avons une législation assez complète sur la lutte contre la corruption, mais qui malheureusement n'a pas fonctionné au cours des dernières années. Parce qu'il y a eu des compromis qu'on ne doit pas toucher à certaines personnes, à certaines sphères, parce que cet argent est recyclé dans la sphère politique, le financement des campagnes électorales par exemple, mais pas uniquement. C'est pour aussi acheter une clientèle politique. Et donc la situation s'est accumulée au cours des 20 dernières années et c'était corrélé justement avec la masse budgétaire dans la dépense publique, avec les marchés publics, etc. etc. Et à un moment donné, c'est devenu une règle normale de fonctionnement. Vous savez qu'on a dans certains secteurs, on paye de l'argent pour avoir le poste. Cet exemple existe dans les œuvres universitaires. Il y a des gens qui payent pour être nommés directeur d'une cité universitaire, par exemple. Parce que le retour dans ce type de fonction compense largement le montant qu'on paye au départ pour être nommé. Donc c'est devenu réellement un marché. Aujourd'hui en Algérie, dans d'autres pays, la corruption est un marché. Il y a une offre, une demande. Et adossé aussi à des valeurs morales dégradées, c'est-à-dire on ne fait plus attention, on considère que c'est normal, parfois même justifié, puisqu'il s'agit de l'argent public et parce que cet argent public n'a pas été correctement distribué, donc moi je le prends par la corruption, pourquoi pas les autres le prennent autrement, etc. etc. Donc on trouve un ensemble de justificatifs à ce comportement pervers, moi que je considère pervers et qu'une, c'est une perversion morale d'abord. Et donc aujourd'hui, accumulation du phénomène, les montants sont devenus extrêmement importants. Et ajouter à cela, c'est un phénomène sociologique en Algérie, au cours des dernières années, le comportement de m'as-tu vu dans la vie de tous les jours fait que le besoin en dépenses personnelles a été très très élevé. Les enfants doivent aller dans une école privée que je paye cher, les soins doivent se faire à l'étranger. Et par conséquent, pour avoir un complément de revenu lorsqu'on est fonctionnaire, lorsqu'on a accès à la commande publique, lorsqu'on a un droit de donner une autorisation, on se fait financer par cette pratique, malheureusement. Mais dans le contexte actuel, avec bien sûr cette période que nous vivons particulièrement difficile, est-ce qu'on est en droit de se poser la question où sont passés les 1 000 milliards de dollars ou les 1 500 milliards de dollars, si on se réfère aux déclarations de l'ancien ministre de l'énergie, Cheikh Ibrahim? Oui, effectivement. Là, les estimations qu'on donne aujourd'hui, d'ailleurs, ça correspond un peu aux estimations qui sont liées au transfert à la surfacturation. On estime le coût de la corruption à 30% de la dépense publique. Vous imaginez, ça ne veut pas dire que tout est transféré, il y a aussi une bonne partie qui est restée ici. Et 30%, c'est excessif. Je m'explique, il y a la petite corruption au niveau local, sur les marchés publics locaux, pour des petits montants. Et dans cette, que je qualifie petite corruption,
les petits entrepreneurs ont fini par abandonner. Ils disent, je ne peux plus, je ne soumissionne plus, parce que ce qu'on me demande en contrepartie prend toute ma marge. Donc je me retire. Il y a un phénomène de retrait aujourd'hui de certains petits entrepreneurs parce qu'ils disent, j'ai une petite marge et on me la demande et je ne peux pas. Par contre, dans les grands marchés, même si je paye, je suis toujours bénéficiaire sur ces marchés publics. Donc là, il n'y a pas que les marchés publics. Parfois, on réduit tout ça au marché public, mais toute autorisation sur le plan fiscal, sur le plan de la douane. Non, là où il y a une autorisation, là où il y a intervention de l'État, il y a corruption. Mais si la corruption est à tous les niveaux, tel que vous le déclarez à l'instant, M. Benmihoub, dans les petits marchés, les gros marchés, au niveau des collectivités locales, donc au niveau des mairies, au niveau des entreprises, au niveau des institutions de la République, faut-il mettre tout le monde en prison ? Alors là, c'est un autre problème. Mettre les gens en prison, je ne pense pas que ça soit la solution, parce que ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, la corruption est devenue un système et pas un phénomène. J'ai commencé par dire que c'est un phénomène, sur le plan de l'analyse économique, on considère ça comme un phénomène, parce qu'on considère ça comme une exception à la règle. Mais aujourd'hui, en Algérie, on peut dire que c'est devenu un système et on ne peut pas accéder, par exemple, à la dépense publique, à la commande publique, si on ne verse pas des pots de vin. Donc, étant devenu un système, maintenant, je pense qu'il faut changer le système plutôt que de lutter, plutôt que de mettre les gens en prison. Ceci dit, ceux qui, pour qui les preuves sont établies, la justice doit continuer à fonctionner et les punir. Mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de revoir le système tel qu'il a fonctionné jusqu'à maintenant pour qu'on n'ait plus ce phénomène à cette échelle. Donc c'est la réforme de la gouvernance. C'est le cœur de la réforme, c'est celui de la gouvernance, de la transparence, de la compétition, la véritable compétition. Et on trouve ces mots dans les lois algériennes. Le code des marchés publics, vous trouvez tout ça. Le principe de la concurrence, le principe de déclaration de probité, etc. Tout ça existe, attention, c'est pas jamais un problème. Jamais appliqué. Jamais appliqué. C'est ça, le vrai enjeu, il est là. Mais c'est un système tel que vous le déclarez actuellement. Mais comment combattre aujourd'hui cette corruption, puisqu'elle a pris autant d'ampleur, puisque ce qu'on est en train de relever aujourd'hui, c'est celui qui a combattu la corruption durant les années 90, plutôt 96-97, avec l'opération Main Blanche, et qui a mis des cadres des entreprises en prison, se retrouve lui-même impliqué dans des opérations de corruption. Je parle de M. Ouyahia. Oui, est-ce que c'est vraiment de la corruption ou de ce qu'on appelle, il a donné des droits, peut-être des avantages indus à même des si personnes. Même s'il faut laisser bien sûr la justice faire son travail. Absolument, oui, on ne peut pas un savoir. Peu la présomption d'innocence. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouyahia était dans un système. Et dans ce système, où il est dans le système, où il est à l'extérieur du système. Rester dans le système, c'est accepter ses règles. C'est ça la grande question. Donc même si on est au départ de bonne foi, on est propre, etc., si on a une ambition, si on veut rester dans le système, si on veut être dans le coup, on accepte certains arrêts. Mais qu'est-ce qui a changé entre les années 90, quand il y a eu l'opération Main Blanche, et aujourd'hui ? Il était dans le système, il n'a pas toléré, il a mis des cadres alors, en prison. Opération Blanche. Certains, ils ont été innocentés, l'opération Main Blanche. Et aujourd'hui, il se retrouve lui-même impliqué oui, dans ce même système parce que dans les et accusé de corruption. Dans les années 90, le système a fonctionné justement pour ces processus de légitimation. Il faut mettre les gens en prison pour se donner de la légitimité. À partir de 1999, on est allé dans un autre système. Il faut organiser cette corruption, enfin l'organiser pas tout à fait, c'est pas consciemment, mais en tout cas fonctionner dans cette logique de l'impunité, beaucoup plus de l'impunité, parce qu'aujourd'hui on trouve qu'il y a des dossiers qui sont bien ficelés, que ces dossiers n'ont pas été préparés au cours des trois derniers mois. Hein. C'est des dossiers qui étaient préparés déjà depuis très longtemps, qui étaient dans les tiroirs. Ben, maintenant, on a fait sortir ces dossiers et effectivement, vous avez le droit de poser cette question, pourquoi une période et puis on change. C'est la logique du système qui a fonctionné. Le système algérien fonctionne comme ça. Il passe d'une rationalité à une autre, rationalité entre guillemets. La rationalité de la légitimité par mettre les gens en prison, l'opération main propre. J'espère que cette opération qui est en cours ne soit pas une opération de main propre et que ce soit vraiment une opération de sanctions, de fautes. De rupture avec le système. Absolument. C'est pourquoi moi je donne beaucoup plus d'importance à la rupture avec ce système et passer à un système de transparence, une gouvernance qui protège les deniers publics, une gouvernance qui favorise la compétition pour accès à la commande publique, pour l'efficacité économique tout court. Mais au vu de son ampleur, est-il possible aujourd'hui de combattre le phénomène de la corruption ?
ces nouvelles formes de crimes économiques, parce qu'on est dans un contexte différent. On parle un peu de l'argent qui a été fait, c'est-à-dire dépensé. On ne parle plus maintenant de corruption, on parle de surfacturation, de transfert illicite. On parle aussi de blanchiment d'argent, on parle d'autres formes. Comment les combattre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire rapidement en mettant tout le monde en prison? Rapidement, je ne crois pas. Mettre tout le monde en prison, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Et la justice doit fonctionner dans un cadre de sérénité. Parce que sinon, si on fait, si le système judiciaire s'emballe, il peut commettre des erreurs aussi. Donc là, je pense qu'il faut vraiment d'abord mettre de l'ordre pour qu'on arrête cette hémorragie. D'abord, c'est ça pour moi la priorité. Les dossiers sont là. Et il faut mettre en place la justice indépendante. Ça, c'est une des revendications du mouvement populaire. Et laisser la justice fonctionner dans la sérénité, dans le calme. Si ça doit prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, je pense qu'il faut accepter ces règles plutôt que de faire un peu des opérations coup de poing qui peuvent conduire peut-être à des abus ou à des erreurs de la part du système judiciaire. Mais est-ce que des solutions aujourd'hui existent? Est-ce qu'elles sont envisagées? Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que l'élite ou les économistes vont s'organiser pour proposer des initiatives de sortie de crise, puisque vous êtes aussi à l'origine d'une initiative sortir du face-à-face, c'est-à-dire armer population. Population, oui. Alors, ce n'est pas uniquement des économistes dans notre groupe, il y a des gens de tout horizon. Effectivement, nous avons observé ce qui se passe depuis maintenant 16 semaines et nous nous sommes dit, est-ce que tout à fait, les revendications du mouvement populaire sont toutes légitimes, doivent être toutes acceptées, mais nous nous sommes dit, 16 semaines, c'est un peu, ça devient lourd à gérer, il n'y a pas de perspective. Et nous avons exposé le problème en disant quels sont les enjeux si on doit continuer dans cette démarche de ce face-à-face. Alors, nous avons identifié 3 enjeux. Et un premier enjeu, c'est l'enjeu politique. Il y a une revendication politique, parce que la revendication aujourd'hui, elle est politique. Elle n'est pas idéologique, elle n'est pas économique. C'est une revendication politique. C'est une nouvelle gouvernance, une nouvelle république, de nouvelles règles du jeu. Ça, c'est une revendication qu'on doit accepter. Deuxième revendication, c'est pas une revendication, mais un enjeu sécuritaire. Vous savez que nous sommes dans une position géographique assez délicate en Algérie. Nous sommes entourés de crises à nos frontières et l'essentiel des forces armées sont mobilisées à ces frontières. Et je pense que nous devons agir sur le plan politique justement pour libérer cette puissance militaire pour les frontières plutôt que de s'occuper des conditions internes. Troisième enjeu qui me semble aussi important, même si jusqu'à présent le mouvement populaire n'a pas revendiqué, n'a pas eu des revendications socio-économiques, la situation économique se dégrade de jour en jour. Mais elle a été dégradée avant le 22 février, je dois préciser, ce n'est pas la responsabilité du mouvement populaire, elle était déjà dégradée. Aujourd'hui, elle se dégrade parce que justement, face au problème de lutte contre la corruption, beaucoup de fonctionnaires tirent le frein à main parce qu'ils ont peur, je les comprends, sur le plan psychologique. Donc voilà un phénomène, justement, quand on fait des opérations comme ça, on risque de bloquer la machine. Et aujourd'hui, la situation est préoccupante sur le plan économique. Le financement non conventionnel par la planche à billets va produire ses effets dans l'immédiat. L'inflation, c'est ça, c'est l'inflation qui nous attend au coin de la rue. Et donc là, si on continue dans ce face-à-face et qu'on ne trouve pas des sorties ou des projections de sorties de crise, septembre, octobre, le mouvement populaire se transforme en mouvement de protestation ou de revendication socio-économique. Chômage, inflation, pouvoir d'achat, etc., etc. Donc on dit, par rapport à tout ça, nous on dit il faut aller vers le dialogue. Alors le dialogue, on va dire comment, etc. Le dialogue, c'est d'abord, nous, on ne voit pas d'objection que le président de l'État en poste soit maintenu pour la continuité de l'État et non pas pour sa personne, c'est pas notre problème. Que le Premier ministre doit partir parce que c'est une revendication du mouvement populaire. Et je pense à partir de là, on peut faire cette concession et organiser un débat que je préciserai peut-être tout à l'heure. Alors, M. Mohamed Chérif Abdoumehou, je voudrais revenir avec vous sur les aspects que vous avez relevés dans la première partie de l'invité de la rédaction, en rappelant bien sûr que je vous avais reçu bien avant le mouvement populaire et vous aviez dénoncé bien sûr la planche à billets. Aujourd'hui, vous parlez de concession de part et d'autre, de l'initiative dont vous êtes un des rédacteurs, sortir du face-à-face. Quand vous parlez de concession, cela veut dire, est-ce que ce sont des préalables à une éventuelle négociation, dialogue, si vous voulez?
Oui, vous avez bien fait de préciser. Nous, quand on parle de dialogue, ce n'est pas la négociation. Le dialogue, c'est d'abord définir l'ordre du jour de la conférence nationale. Et nous proposons justement dans ce cadre que le pouvoir réel en Algérie aujourd'hui doit faire une concession, celle de demander la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Le pouvoir réel pour vous, c'est qui ? C'est le commandement militaire. Je pense que ça, c'est visible. Donc là, c'est la première, je pense, le Hirak exige ceci, et je pense que le pouvoir en place peut faire cette concession, parce que ce gouvernement est contesté, n'est pas légitime, n'est pas compétent, ce que disent le mouvement populaire, pour organiser des élections libres et honnêtes. Par contre, nous avons une position qui tranche avec peut-être les autres propositions. Nous ne sommes pas dans le dégagisme radical. Nous disons, pour la continuité de l'État, pour une sérénité, le président de l'État en poste peut continuer à exercer ses fonctions de représentation de l'État algérien, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la sécurité, sur le plan des services publics, mais comme, vraiment comme régulateur et comme symbole de l'État algérien. On ne peut pas créer le vide à ce niveau-là. À charge pour lui de désigner une personnalité indépendante pour présider la conférence. Ce n'est pas lui qui préside cette conférence de dialogue national. Et nous attendons de cette conférence de dialogue national, avec une très ouverte, avec une représentation très large. Effectivement, nous avons buté sur cette représentation, qui sera présent, etc. Ça, c'est un casse-tête, parce que nous avons des partis, nous avons des syndicats, nous avons des organisations de la société civile, nous avons le Hirak. Ceux qui sont dans le Hirak, ils sont aussi dans les associations, mais pas tous, la majorité peut-être, ils ne sont pas du tout structurés. Et nous avons pensé à des approches. Par exemple, nous avons pris la composition de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, pas les personnes, le nombre. Par exemple, nous avons 462 députés répartis sur les wilayas. Nous sommes dit, nous allons prendre cette structure, parce qu'on a un député pour 80 000 habitants, nous allons prendre cette structure. Si Alger a 37 députés, il y aura 37 représentants d'Alger, de la wilaya d'Alger. Sétif, c'est 19 députés, il y aura 19 représentants. Ce n'est pas les députés, c'est d'autres. C'est le nombre juste qu'on a gardé, parce qu'on ne pourrait pas faire des calculs. On a trouvé ce calcul qui est déjà fait. Et on peut organiser ce fonctionnement pour avoir des délégués de chaque wilaya. Mais bon, ça, c'est le plan technique, ça. Ce n'est pas notre initiative, elle ne se focalise pas sur cet aspect. Mais on dit qu'il faut qu'il y ait des représentants du Hirak. Il faut qu'il y ait des représentants de la société civile, qu'il y ait des représentants des syndicats, il faut des élites, il faut des universitaires, etc. Bon, on table sur un chiffre de 500 à 600 personnes dans cette conférence nationale qui aura pour ordre du jour trois points. Le premier point, c'est revoir la loi, plutôt c'est un décret présidentiel, je crois, la haute autorité d'organisation, il faut ajouter organisation et non pas supervision. La haute instance de surveillance des élections. Voilà, ça c'est toutes les initiatives aujourd'hui vont dans ce sens et nous sommes d'accord sur cette démarche. Deuxième point à l'ordre du jour, amender la loi électorale. La loi organique sur les élections. Ça, c'est un point très important. Il faut qu'on le mette noir sur blanc pour préciser le rôle de chacun, etc. Parce que ce n'est pas l'administration qui va organiser les élections, mais il faut trouver le lien entre les fonctionnaires qui vont continuer à travailler pour les élections et les membres de la haute autorité. Troisièmement, le gouvernement qui va s'occuper de cette période. Que peut-être le pouvoir ne veut pas parler de période de transition, mais en tout cas il y a une période qu'il faut gérer de 3 mois ou de 6 mois pour mettre tous ces dispositifs. Il faut en place un gouvernement. Et quatrièmement, un gouvernement de technocrates. De technocrates, de personnalités indépendantes. Et quatrièmement, le quatrième point, je pense, c'est organiser proprement dit les élections présidentielles. Donc cette conférence de dialogue aura 4 points à l'ordre du jour. Et ça, je pense, c'est possible. C'est utile, mais c'est possible de faire ceci dans un cadre consensuel avec des concessions de part et d'autre, et nous pouvons mettre ce dispositif dans un délai de 3 à 6 mois en fonction de la dynamique qui sera créée dans le cadre de cette conférence de dialogue national. Et pourquoi vous faites un peu la différence entre dialogue et négociation, rapidement, M. Benmiro? Alors, le dialogue, c'est d'abord pour défricher un peu la situation, pour poser sur la table les problèmes. Voilà. Les préalables. Les préalables. Après,
après ces préalables, on peut passer à la négociation. La négociation, c'est dans la composition du gouvernement, par exemple. Le pouvoir en place peut dire, écoutez, nous avons quelques personnes à proposer pour être membres du gouvernement. La société civile, ceux qui participent à cette société peuvent avoir des objections sur ça. Donc, d'abord, la véritable discussion, c'est en amont. Il faut qu'on se mette d'accord sur l'ordre du jour. Et une fois que l'ordre du jour est fixé, on passe à la négociation. Mais tout ceci peut se faire dans le cadre de cette conférence nationale de dialogue. Mais justement, quand vous parlez un peu des préalables, redéfinir les missions de la haute instance de surveillance des élections, d'organisation et de surveillance, la loi électorale, c'est-à-dire dégager un gouvernement technocrate, les quatre conditions, avant d'aller bien sûr vers le dialogue et plus tard la négociation. Est-ce que pour vous la priorité aussi c'est l'élection présidentielle, d'avoir un président élu démocratiquement? L'objectif c'est celui-là. Non, tout ça pour aller à l'élection présidentielle. Qui aura à prendre en charge tous les chantiers à venir? Alors, il y a deux questions effectivement à ce niveau-là. On peut exiger dans le cadre de cette conférence que les candidats à la présidentielle doivent obligatoirement mettre dans leur programme un engagement d'engager des réformes au cours de la première année de leur mandat. Un engagement formel. Et là, je pense que les Algériens vont voter sur le candidat qui aura proposé la meilleure formulation, le meilleur projet de réforme. Et je pense que ça, c'est un indicateur très important. Parce qu'on ne peut pas donner un blanc-seing à quelqu'un pour lui dire « oui, vous allez être élu ». Une fois élu, il peut dire « écoutez, je suis élu par la majorité, j'ai mon programme ». Je pense qu'on peut exiger que dans le programme des candidats, cette partie d'engager des réformes, de conduire avec sérieux des réformes politiques et économiques soit mentionnée de façon expresse dans sa candidature. Mais est-ce qu'il y a des personnalités qui se dégagent déjà pour vous aujourd'hui, M. Delmeroux? Dans quel sens? Pour être candidat? Pour être candidat à la présidence? Non, c'est pas intéressé à ça pour le moment. Je pense qu'il faut fixer les règles du jeu. Une fois que les règles du jeu sont fixées, il y aura des candidatures. Alors, votre initiative, c'est sortir un peu de ce face-à-face, donc peuple et armée. Est-ce que c'est un face-à-face qui pourrait, à terme, mener peut-être vers certains dérapages? Absolument. Si ça continue. C'est ça, justement. Dans les enjeux qu'on a fixés, sécuritaires, politiques et économiques, le dérapage est pour nous un risque réel qu'on doit prendre au sérieux. Ce face-à-face par communiqué interposé, parce que le Hirak sort le vendredi avec des pancartes, le pouvoir communique soit par le communiqué du MDN, soit par le président de l'État, et ça reste un langage, un dialogue de sourds, finalement. Nous, on dit, il faut, puisque la dernière offre du pouvoir, aussi bien du commandement militaire que du président de l'État, il propose le dialogue. On dit, écoutez, allez, on va au dialogue, mais sans préalable et sans ordre du jour fixé par l'une ou l'autre partie. Mais comment rétablir cette confiance pour qu'on croit en ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire émis aussi bien par le MDN ou par la présidence de la République? Je pense qu'il y a dans le mouvement, dans le Hirak, dans le mouvement populaire, des gens sages, des gens responsables, pour qui l'intérêt de la nation va au-delà d'un mouvement populaire tout à fait légitime. Et je pense, nous on compte beaucoup sur ces gens qui sont dans le mouvement. C'est des intellectuels, des universitaires, des jeunes parfois très engagés, très conscients sur le plan des enjeux du pays. Je pense qu'il faut leur expliquer les enjeux, et que si on leur explique les enjeux, peut-être qu'ils prendront leurs responsabilités pour discuter avec leurs camarades, pour mener justement, pour amener les gens à faire des concessions. C'est ça, je pense. Le débat, il faut qu'on instaure le débat. Mais pas le débat tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut qu'il continue. Dans le Hirak, il y a un débat à l'intérieur du Hirak. Il y a des initiatives qui sont lancées actuellement. Oui, 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 absolument. Nous, on colle un peu à la réalité. On n'est pas tout à fait... nous n'avons pas une originalité totale. Mais notre, peut-être, point de vue, c'est de dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le 3B. On peut céder 2B, mais garder 1 pour des raisons que j'ai évoquées. Ce n'est pas la personne. Mais c'est la continuité de l'État. C'est la responsabilité. Il y a la nation algérienne est en jeu. Et il faut peut-être prendre un peu ses responsabilités pour dire halt. Il faut qu'on négocie, qu'on va élire un président dans 6 mois ou dans 3 mois, si on peut aller plus vite. Et donc, je pense qu'il faut donner la priorité à l'objectif noble, celui de l'élection démocratique.
Et c'est à partir de là qu'on peut accepter des concessions. Si on est d'accord sur l'objectif, on peut faire des concessions sur les processus. Alors, M. Mohamed Chérif Benmiou, beaucoup de questions des auditeurs. Comment faire confiance en certaines personnalités quand on voit que certaines d'entre elles ont trahi l'Algérie? Et on le voit aujourd'hui. Ah ben justement, là, il faut les dénoncer. Alors, il faut les dénoncer. Non, je pense là, il faut être intraitable sur cette question de la trahison. Je pense là, c'est la question sur laquelle il ne faut pas faire de concessions. Là, je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas de liste à donner qui sont ces personnes, mais si elles apparaissent un jour pour être membres de la conférence nationale, il faut les dénoncer. Ces personnes, il faut les dénoncer. Et je pense qu'on a suffisamment de personnes en Algérie propres et honnêtes pour ne pas s'encombrer avec des gens qui ont des casseroles. Alors, mettre des chefs d'entreprise en prison, est-ce que cela ne va pas un peu perturber le tissu productif national, puisque nous avons vu, pour certaines entreprises, on parle de cessation de paiement. Monsieur Benmiou. Alors, non, il faut préciser les choses. Mais justement, là, c'est une question importante dans le contexte actuel. Il ne faut pas revivre le syndrome Khalifa ou BRCI. Quand il y a eu un problème, on a liquidé la banque, on a liquidé BRCI. Ça, je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut préserver l'outil de production, il faut préserver l'entreprise. Si son chef est en prison, la justice a les moyens et le droit commercial algérien a les moyens d'organiser la continuité de l'entreprise. Je pense qu'il faut plutôt que de liquider l'entreprise, la sauvegarder, mettre tous les moyens nécessaires du point de vue légal pour que l'entreprise continue son activité. Maintenant, il y a un type de chantage qui est exercé par certains chefs d'entreprise incarcérés. C'est-à-dire, puisque je suis en prison, je déclare la faillite de mon entreprise. Là, la justice peut contrôler ce qu'on appelle une faillite frauduleuse. Et s'il y a une faillite frauduleuse, elle relève du pénal. Alors, comment là, récupérer tout cet argent qui a été dilapidé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a possibilité de le récupérer, professeur Benmiou? C'est la question aussi de l'auditeur, rapidement. Écoutez, l'expérience internationale. Dans les expériences internationales, on a récupéré peu. Je dois le dire, la moyenne, c'est autour de 10-15%. Ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas récupérer plus. 10-15%, c'est une moyenne. Mais il y a des pays qui sont allés jusqu'à 30%. Sauf qu'il y a une difficulté sérieuse. Il faut prouver par des documents, parce qu'à l'étranger, dans les pays, le droit est respecté. On ne va pas vous donner, donnez-moi nous l'argent de X ou de Y, ils vont vous demander des justificatifs. Est-ce que c'est vraiment c'est un argent dilapidé, etc., etc. Ça, c'est très complexe, mais c'est possible. Il faut engager tout de suite des cabinets, des avocats, il faut travailler sur ces dossiers. Nous avons quelques relations, quelques conventions de partenariat avec beaucoup de pays. Il faut utiliser tous les moyens, des institutions internationales. Il faut utiliser tous les moyens pour récupérer le maximum. Mais il ne faut pas compter qu'on récupère tout. Ça, je ne pense pas. Les expériences internationales l'ont montré. On ne peut pas tout récupérer. Et surtout qu'ils sont cachés dans des endroits parfois très, très difficiles à trouver. Alors, autre question, certains aujourd'hui, par rapport à ces grandes entreprises privées, certains demandent à l'État de nationaliser ces entreprises et de les gérer elles-mêmes. Est-ce que c'est possible de nationaliser à nouveau? Est-ce que l'État peut tout gérer aujourd'hui? Non. Parce que là, il y a une sorte de confusion un peu populiste. Oui, c'est en national. Si on nationalise, ça veut dire qu'on paye l'entreprise, le propriétaire réel. Non, on peut nationaliser, mais il faut payer. Mais on n'a pas besoin d'aller pour... Le Trésor déjà est à genoux pour lui demander de payer ou d'acheter des entreprises. Nationaliser, c'est acheter une entreprise. Par contre, on peut utiliser, s'il y a des dossiers devant la justice sur l'origine des fonds qui ont constitué, qui ont été à l'origine de constituer ces empires, c'est de les exproprier au nom de la loi. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui peuvent être, on procède par étapes, d'abord la réquisition, et la deuxième étape, c'est de s'approprier, récupérer le patrimoine public. Donc là, sur le plan juridique, on peut trouver des astuces. Mais nationaliser pour que ce soit géré par le public, non, je pense pas qu'il faut encombrer le secteur public avec de nouvelles entreprises, alors qu'il a beaucoup de peine à gérer le secteur public en place. Donc là, il faut trouver des solutions. S'il y a des patrimoines constitués sur la base d'argent illicite, il faut ramener ces patrimoines, parce que beaucoup plus les entreprises algériennes, enfin les entrepreneurs algériens, font beaucoup plus dans des patrimoines que dans le capital. Si on ne règle pas la crise dans les médias, qu'est-ce qu'on risque? Le coût est faramineux.
le coût est extra, coût politique, pas uniquement économique, coût politique économique. Chaque jour qui passe, le coût s'agrandit, ça croît. Donc il faut, je pense maintenant, il faut appeler au sens des responsabilités des Algériens, des élites en particulier, pour qu'ils réfléchissent sur ce coût. Écoutez, les expériences voisines nous ont montré quel était ce coût, parce que s'il y a un dérapage dans le mot populaire, ce qui s'est passé en Libye, Kadhafi est parti, le pays disloqué. Ce qui s'est passé en Syrie, le pouvoir est resté en place, mais à quel coût ? Des destructions en Syrie. Donc il y a des convoitises internationales, il y a des acteurs internationaux, il y a des acteurs locaux. Je sais pourquoi il faut retourner à la légitimité et à la mise en place des institutions. La stabilité de l'Algérie vaut toutes les concessions. Je pense qu'il faut accepter cette... Alors, sur le plan international, avec cette confusion qui règne actuellement, est-ce que ça peut aussi inquiéter des partenaires étrangers de l'Algérie? Oui, ça les inquiète au premier degré sur le plan économique. Ah oui, effectivement. On les a vus déjà commencer à agir, à sortir, à se poser des questions. Même ceux qui se préparent à sortir. Là, oui, c'est une véritable inquiétude. Je crois qu'on a discuté de ça dans une précédente émission, que les idéaux en Algérie, aujourd'hui, nous savons avoir des sorties supérieures, pas aux entrées. Le stock commence à sortir, le stock d'idéaux. Les étrangers attendent une visibilité, une initiative sur le plan politique et économique pour s'engager. Parce que je l'avais expliqué dans un autre cadre, que le temps économique et le temps politique ne sont pas synchronisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise politique. Pour que l'économique reprenne, il faut une confiance. Et pour construire la confiance, ça prend du temps. Et donc, le temps économique est un peu plus lent pour reprendre sa place. Alors, dernière question, M. Mohamed Chilif Ben Mouhoum, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie. Vous dites que le plus gros de la corruption, c'était dans la commande publique. Est-ce qu'on peut considérer que, partant de là, certains partenaires de l'étranger qui étaient impliqués dans certains projets ont cautionné cela? Alors, certains... Quand on parle de l'autoroute Est-Ouest, on connaît qui l'a fabriquée. Quand on parle, par exemple, des projets Sonatrach, on sait qui c'est qu'on est en train de viser. Quand on parle d'autres secteurs aussi, dans la pêche, il y a eu dans l'agriculture. Oui, absolument. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'ils ont cautionné? Ah ouais, pour certains, ils ont cautionné. Des partenaires étrangers, mais certains ont des législations dans leur pays qui les surveillent, qui ont été rappelées à l'ordre. C'est les Canadiens, les Italiens. Saipem, le procès Saipem, c'est de la corruption qui s'est passée en Algérie, mais Saipem est jugé à Milan. Le cas de SNC-Lavalin au Canada, il est interdit de... Il y a eu des poursuites au Canada. Absolument. Donc il y a des pays qui ont des lois internes qui interdisent toute pratique de corruption ou de pratique illégale. Et je pense avec ces pays, on peut collaborer, effectivement, et dénoncer. Si on a des preuves que telle société étrangère a pratiqué, a versé des pots de vin en Algérie, on peut communiquer ça à leur pays d'origine. Ils peuvent être jugés par le pays d'origine. Ça, c'est une précaution à prendre immédiatement. Je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, on doit le faire, parce qu'il y a des législations très strictes. Il y a beaucoup de législations qui adoptent la législation américaine. Dans leur contrat, ils mettent la législation américaine qui s'applique. Donc, elle est devenue universelle. Et par conséquent, c'est un... Avec la rétroactivité. Avec toute la rétroactivité. Parce qu'on le voit même chez nous, maintenant, il y a la rétroactivité. Absolument. Il y a des instruments. Il y a des instruments juridiques, il faut les utiliser. Monsieur Mohamed Chilif Ben Mouhoum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.